La décision judiciaire pourrait bien faire l'effet d'une bombe en Martinique. Alain Hugues Despointes aurait été relaxé par la Cour de cassation de Fort-de-France. L'homme d'affaires Becquet avait été jugé en 2010 en première instance et en appel en 2011 pour apologie de crimes contre l'humanité. Dans un documentaire de Canal+, diffusé en février 2009, en pleine crise sociale aux Antilles, l'octogénaire avait évoqué les côtés positifs de l'esclavage et avait précisé que la minorité Becquet avait voulu préserver la race. Des propos qui avaient soulevé une levée de boucliers. Après son second procès, il avait été condamné à 20 000 € d'amende, la publication de la décision dans la presse et au versement de 2 500 € de dommages et intérêts à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, seule association retenue comme partie civile dans ce dossier. Ces condamnations seraient donc annulées et selon les premières informations, la décision de la Cour de cassation n'aurait pu être prise qu'à cause de problèmes de procédure. Si la réhabilitation d'Alain Hugues Despointes était confirmée, cette décision ferait jurisprudence.